Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à tous, merci de nous avoir rejoints pour suivre le voyage apostolique du pape François en Thaïlande. Il est 9h20 ici à Rome, 9h30, 15h30 en Thaïlande. Ici Adélaïde Patrignani avec vous aujourd'hui. Je remercie tous nos auditeurs et particulièrement ceux du réseau EWTN et de Radio Espérance. Merci de nous avoir rejoints. Le pape François poursuit la deuxième journée de son voyage apostolique en Thaïlande, deuxième et dernière journée. Il vient d'arriver à l'instant à l'université de Bangkok pour une rencontre interreligieuse. Il va rencontrer 18 responsables religieux du pays. La Thaïlande, je vous le rappelle, est un pays à 90% bouddhiste, donc 90% des 69 millions d'habitants. Et les catholiques sont vraiment une minorité, les chrétiens ne représentent qu'1% de la population, et les catholiques à peine 380 000 personnes. Il y a aussi des musulmans, 5% de la population. Et le pape entre actuellement dans l'université Chulalongkorn, qui est la plus ancienne université de Thaïlande et aussi la plus prestigieuse. Elle a été construite au début du XXe siècle par le roi Rama VI, qu'il a dédié à son père Rama V. Elle compte actuellement 19 facultés différentes. Et la rencontre avec le pape François se déroule dans le grand auditorium de cette université. Le pape vient d'être accueilli par le cardinal archevêque de Bangkok. Salue actuellement le recteur de l'université. Et tous les différents responsables religieux du pays. Il échange en ce moment quelques mots avec des responsables hindous. Le pape salue maintenant les représentants de la religion bouddhiste, dont plusieurs moines. Il y en a aussi beaucoup dans l'assemblée. Ce matin, le pape a rencontré dans un sanctuaire du nord-ouest au nord-ouest de Bangkok tous les prêtres religieux et religieuses du pays. Ensuite, il a rencontré les évêques de Thaïlande et de quelques autres pays d'Asie du Sud-Est. Et puis après ces deux rencontres, le pape est allé rencontrer des membres de la Compagnie de Jésus, des jésuites, lui-même étant jésuite, mais cette rencontre était privée. Ensuite, il s'est rendu à la nonciature apostolique pour le déjeuner. Et donc actuellement, il se prépare pour cette rencontre interreligieuse. Voilà, toutes les personnes présentes dans ce grand auditorium s'assoient. Ladies and gentlemen, today's activity entitled Building Bridges of Peace and Understanding will now commence. May I now call upon Professor Dr. Bandit Ueaporn, the
Et le président de l'université s'apprête à adresser un bref salut au Saint-Père. Saint-Père, cette université, la première université thaïlandaise, fondée en 1917, et qui tire son nom de Sa Majesté Chulalongkorn, vous est profondément reconnaissante pour avoir ajouté un programme déjà bien chargé, cette rencontre avec notre communauté académique et avec une myriade d'autres secteurs de la société thaïlandaise. L'idée du roi était celle d'offrir une instruction supérieure aux étudiants de tout genre, extraction sociale, ethnie, classe économique et confession religieuse. Pour notre université, c'est un immense honneur d'être réunis ici, avec vous, à l'occasion de votre visite officielle en Thaïlande, qui survient près de 4 décennies après la visite du pape Jean-Paul II en 1984, pour apprendre et tirer bénéfice de votre sagesse, de votre compassion pour les pauvres et les personnes désavantagées du monde entier, de votre profonde sollicitude pour le soin et la protection de notre environnement naturel, et pour votre constant engagement pour un dialogue interreligieux significatif et pour la construction de la paix entre les religions, pays et cultures. Sainteté, bienvenue dans notre université. Your Holiness, with your kind permission, may we now invite the President of Chulalongkorn University to present a souvenir gift in remembrance of this momentous visit paid to Chulalongkorn University. The first ever papal visit to this institution. Le président de l'université remet maintenant un cadeau au pape François, qui est donc le premier souverain pontife à se rendre dans cette université. Deux étudiantes s'avancent maintenant et remettent aussi au Saint-Père un cadeau. And now, as president of the CBCT Episcopal Commission for Ecumenism. Alors maintenant, nous allons entendre le président de la Commission pour l'œcuménisme et pour le dialogue interreligieux au sein de la Conférence épiscopale thaïlandaise, Monseigneur Chuzak Sirisut. Alors ce prélat thaïlandais s'exprime en thaïlandais. Très Saint-Père, moi, Monseigneur Joseph Chuzak Sirisut, évêque ordinaire du diocèse, donc le nom d'un diocèse thaïlandais, et président de la Commission épiscopale catholique pour le dialogue interreligieux et l'œcuménisme, ainsi que les responsables des religions traditionnelles auxquelles adhèrent les citoyens de la Thaïlande, c'est-à-dire le bouddhisme, l'islam, le brahma hindouisme et les sikhs, ainsi que nos frères chrétiens de confessions différentes et les responsables de l'Église orthodoxe de ce pays, ainsi que les éminents académiciens de Thaïlande, en particulier le personnel enseignant de cette université qui accueille cette rencontre et qui a invité des professeurs et des étudiants universitaires de tout le pays à participer à cet événement. Nous sommes tous très heureux aujourd'hui de vous accueillir, Sainteté, et d'écouter votre discours. Ici sont réunies 1500 personnes. Nous sommes maintenant heureux d'écouter vos paroles. Certainement, vos sages conseils nous seront très utiles, non seulement aux catholiques, mais aussi à toute l'humanité. Saint-Père,
Nous vous prions en cette occasion de nous donner votre sagesse. Avec tout le respect et l'amour en Christ. Ladies and gentlemen, in a few minutes, we will hear the first choral rendition of the Peace Prayer by the Multi-Faith and Multi-Ethnic Mukopor Children's Chorus from St. Joseph. Alors maintenant, des enfants s'avancent sur l'estrade et ils vont dans quelques minutes. Oui, à vrai dire, ce sont plutôt des jeunes filles qui s'avancent et dans quelques minutes, elles vont interpréter un chant traditionnel thaïlandais. Elles sont vêtues de tenues traditionnelles du pays, en blanc avec un foulard blanc aussi sur la tête. Après ce chant, donc le Saint-Père prononcera un discours. Dr. Pawasut holds a master's degree in music, specializing in church music, and a doctoral in musical arts and choral music from the University of Southern California. The lyrics of the song have been adapted by Paolo Stradi from the traditional prayer of St. Francis of Assisi in this arrangement by Father Buncharat Suksawang. C'est une chanson donc en faveur de la paix et qui reprend certaines paroles de Saint François d'Assise. Voilà, les étudiants qui vont chanter sont très nombreux autour de cette estrade, ils forment un cercle.
Voilà, donc un très beau chant interprété par des dizaines d'étudiants de cette université. On distinguait parmi eux des musulmans, des étudiants d'ethnie traditionnelle. Et le pape François va maintenant prendre la parole. Le pape qui se trouve actuellement, donc pour nos auditeurs qui nous auraient rejoints, à l'université Chulalongkorn à Bangkok, la plus ancienne université du pays, pour une rencontre avec des responsables interreligieux. Ils sont une petite vingtaine autour du pape. Des responsables bouddhistes, musulmans, hindous. Building bridges for peace and understanding. Monsieur le cardinal, frères dans l'épiscopat, distingués représentants des différentes confessions religieuses, représentants de la communauté universitaire, chers amis, je vous remercie pour votre accueil cordial. Je remercie Monseigneur Sirisut et le docteur Bundit pour leurs aimables paroles. Je remercie aussi pour l'invitation à rendre visite à cette célèbre université, à vous, étudiants, professeurs et personnels, qui donnez vie à cette institution éducative, ainsi que pour l'occasion qui m'est offerte de rencontrer les représentants des différentes communautés chrétiennes et les leaders d'autres religions qui m'honorent de leur présence. Je vous exprime ma gratitude pour votre présence ici, ainsi que ma particulière estime et ma reconnaissance pour le précieux patrimoine culturel et les traditions spirituelles dont vous êtes les héritiers et les témoins. Cela fait 122 ans, en 1897, que le roi Chulalongkorn, dont cette première université tire son nom, a visité Rome et a eu une audience avec le pape Léon XIII. C'était la première fois qu'un chef d'État non chrétien était reçu au Vatican. Le souvenir de cette importante rencontre, comme celui de son règne caractérisé, entre autres, par l'abolition de l'esclavage, nous interpelle et nous incite à devenir des protagonistes persévérants sur le chemin du dialogue et de l'entente mutuelle. Et cela, il faudrait le faire dans un esprit d'engagement fraternel qui aide à mettre fin à de nombreux esclavages qui persistent de nos jours. Je pense en particulier au fléau du trafic et de la traite des personnes. Le besoin de reconnaissance et de valorisation mutuelle, de même que de coopération entre les religions, est encore plus pressant pour l'humanité actuelle. Le monde d'aujourd'hui est confronté à des problématiques complexes, comme la mondialisation économique et financière, et ses graves conséquences sur le développement des sociétés locales.
les rapides progrès, apparemment prometteurs pour un monde meilleur, coexistent avec la persistance tragique de conflits civils. Migration, expatriation, famines et guerres, sans compter la dégradation et la destruction de notre maison commune. Toutes ces situations nous mettent en alerte et nous rappellent qu'aucune région ni aucune partie de notre famille humaine ne peut se considérer ni se construire comme une entité étrangère ou immunisée par rapport aux autres. Ce sont toutes des situations qui demandent par ailleurs que nous cherchions à trouver de nouvelles manières de bâtir l'histoire présente, sans avoir besoin de dénigrer ou de décrier qui que ce soit. Les époques où la logique du repli sur soi pouvait prévaloir, dans la conception du temps et de l'espace et s'imposer comme mécanisme valable pour résoudre les conflits sont révolues. Il est temps aujourd'hui d'oser imaginer la logique de la rencontre et du dialogue mutuel comme chemin, de la collaboration mutuelle comme conduite et la connaissance réciproque comme méthode et critère. Et de cette manière, offrir un nouveau paradigme pour la résolution des conflits et contribuer à la compréhension entre les personnes ainsi que pour sauvegarder la création. Je crois que dans ce domaine, les religions, de même que les universités, sans pour autant renoncer à leurs notes essentielles et à leurs spécialités propres, ont beaucoup à apporter et à offrir. Tout ce que nous faisons dans ce sens est un pas significatif pour garantir aux plus jeunes générations leur droit à l'avenir et sera aussi un service rendu à la justice et un service rendu à la paix. C'est seulement ainsi que nous leur fournirons les instruments nécessaires pour que ce soit elles les principaux protagonistes dans la manière de créer des styles de vie durables et inclusifs. Cette époque demande de notre part de construire des fondations solides, ancrées dans le respect et la reconnaissance de la dignité des personnes, dans la promotion d'un humanisme intégral, capable de reconnaître et de réclamer la défense de notre maison commune, dans une gestion responsable qui sauvegarde la beauté et l'exubérance de la nature comme un droit fondamental pour l'existence. Les grandes traditions religieuses de notre monde donnent le témoignage d'un patrimoine spirituel transcendant et largement partagé, qui peut offrir de solides apports dans ce sens, si nous sommes capables d'oser ne pas avoir peur de nous rencontrer. Nous sommes tous appelés non seulement à prêter attention à la voix des pauvres qui nous entourent, c'est-à-dire des marginaux, des opprimés, des peuples indigènes et des minorités religieuses, mais aussi à ne pas avoir peur de créer des instances, comme déjà, timidement, il y en a qui se développent, où nous pouvons nous réunir et travailler en commun. Par ailleurs, il nous faut accepter l'exigence de défendre la dignité humaine et respecter le droit à la liberté de conscience, ainsi que le droit à la liberté religieuse, et de créer des lieux où offrir un peu d'air frais avec la certitude que tout n'est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer
au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu'on leur impose. Ici, en Thaïlande, pays de grande beauté naturelle, je voudrais rappeler une note distinctive que je considère cruciale et qui fait partie, dans une certaine mesure, des richesses à exporter et à partager avec les autres régions de notre famille humaine. Vous valorisez et protégez vos personnes âgées. C'est une grande richesse. Vous valorisez et protégez vos personnes âgées. Vous les respectez et leur manifestez une considération qui vous permet de préserver les racines nécessaires pour que votre peuple ne s'étiole pas derrière certains slogans qui finissent par vider et hypothéquer l'âme des nouvelles générations. Avec la tendance grandissante à discréditer les valeurs et les cultures locales par l'imposition d'un modèle unique, nous voyons aujourd'hui une tendance à homogénéiser les jeunes, à dissoudre les différences propres à leur lieu d'origine, à les transformer en êtres manipulables, fabriqués en série. Il se produit ainsi une destruction culturelle qui est aussi grave que la disparition des espèces. C'est une citation de Christus Vivit. Continuez à faire découvrir aux plus jeunes le bagage culturel de la société dans laquelle ils vivent. Aidez les jeunes à découvrir la richesse vivante du passé et à aller à la recherche de leurs racines, en faisant mémoire. C'est un véritable acte d'amour à leur égard, en vue de leur croissance et des choix qu'ils sont appelés à faire. Toute cette approche implique nécessairement la contribution d'institutions éducatives comme cette université. La recherche, la connaissance, aident à ouvrir de nouveaux chemins afin de réduire les inégalités entre les personnes, renforcer la justice sociale, défendre la dignité humaine, chercher les manières de résoudre pacifiquement les conflits et de préserver les ressources qui donnent vie à notre terre. Ma reconnaissance s'adresse en particulier aux éducateurs et aux professeurs de ce pays qui travaillent pour assurer aux générations présentes et à venir les compétences et surtout la sagesse des racines ancestrales qui leur permettront de participer à la promotion du bien commun de la société. Chers frères, nous sommes tous membres de la famille humaine et chacun, à sa place, est invité à être un acteur et un responsable direct de la construction d'une culture basée sur des valeurs partagées qui conduisent à l'unité, au respect mutuel et à la cohabitation harmonieuse. Une fois de plus, je vous remercie de votre invitation et de votre attention. J'offre ma prière et mes vœux les meilleurs pour vos efforts visant à servir le développement de la Thaïlande dans la prospérité et la paix. Sur vous tous ici présents, sur vos familles et sur ceux que vous servez, j'invoque la bénédiction divine. Et je vous demande aussi de le faire pour moi. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'allocution du Saint-Père à l'université Chulalongkorn à Bangkok, où se déroule actuellement une rencontre entre le pape François et tous les leaders religieux du pays. We shall now have our second choral performance, Songs for Freedom.
Le pape qui a donc lancé un appel au dialogue entre les religions, un changement, un nouveau paradigme pour la résolution des conflits, et qui a renouvelé son appel à sauvegarder la création. Il a aussi insisté sur l'attention, il a loué l'attention rendue aux personnes âgées en Thaïlande. Et a invité les générations plus anciennes à découvrir la richesse du passé et aller à la recherche de leurs racines. Alors à présent, la chorale qui était venue avant le discours du Saint-Père revient vers l'estrade et s'apprête à chanter un nouveau chant que nous allons écouter.
rendition of this very meaningful song we have heard has come to an end. Voilà, la prestation du chœur de l'Université Choulalongkorn s'achève. Le pape François est actuellement dans le grand auditorium de cette université devant 1500 personnes. Il a prononcé un discours entouré de différents responsables religieux de Thaïlande. Il a invité à oser imaginer la logique de la rencontre et du dialogue mutuel comme chemin, de la collaboration mutuelle comme conduite, et la connaissance réciproque comme méthode et critère. Il a souligné la contribution des religions à la justice et à la paix. Et il a aussi évoqué, au début de son discours, l'audience du roi Choulalongkorn, dont le nom a été donné à cette université, avec le pape Léon XIII en 1897. C'était la première fois qu'un chef d'État non chrétien était reçu au Vatican. Et puis toujours pour la Thaïlande, on peut rappeler que en mai 2018, donc il y a un petit peu plus d'un an, 50 moines bouddhistes avaient visité le Saint-Siège. Signe du dialogue interreligieux qui existe déjà entre l'Église catholique et les bouddhistes. Thank you very much. This marks the end of today's papal visit to Choulalongkorn University. Ladies and gentlemen, please rise as His Holiness is about to depart. Le pape salue actuellement le cardinal archevêque de Bangkok, puis le président de l'université et toutes les personnes, tous les responsables religieux présents avec lui pour cette rencontre. Donc je vous le rappelle, la Thaïlande est un pays bouddhiste en grande majorité. 90% des 69 millions d'habitants sont bouddhistes. La communauté chrétienne représente, elle, 1% de la population, dont 0,58% de catholiques. Autrement dit, 380 000 personnes au total. Et puis il y a aussi des musulmans, de 5% de la population. Et c'est un pays où les relations entre les bouddhistes et les autres communautés sont bonnes. Le pape d'ailleurs, avant ce voyage, dans un message au peuple thaïlandais, saluait l'harmonie et la coexistence pacifique entre les habitants du pays. Mais ça ne veut pas dire que la situation est exempte de défis. Il y a par exemple la situation des séparatistes musulmans dans le sud du pays, qui révèle une crise identitaire. Début novembre, d'ailleurs, un attentat a coûté la vie à 15 personnes dans le pays. Mais ce type d'attaque reste rare. Et la Thaïlande est réputée aussi pour être le plus grand pays d'accueil d'Asie du Sud-Est. 3 millions de Birmans, par exemple, se trouvent actuellement sur son territoire, avec ou sans papier. Et si le pape François est venu ici à Bangkok pour son 32e voyage apostolique, c'est d'abord pour célébrer les 350 ans de la création du premier vicariat du Siam en 1669.
et aussi l'établissement, il y a 50 ans, des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Royaume de Thaïlande. Le pape donc, va bientôt quitter l'université, il en sort à l'instant, et il va ensuite se rendre à la cathédrale de Bangkok pour une messe avec les jeunes. Je vous retrouve donc dans quelques instants pour cette messe, c'est-à-dire à 11h, et il sera 17h à Bangkok. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Laudetur détour Jésus Christus. Loué soit Jésus-Christ.